Ein Flying Schling. Comme elle avait envie de raconter une farce plate, Monica s'approcha du chef du Parti démocrate. Elle a poussé au sujet de sa femme une joke cochonne. Et Hillary, Hillary Clinton, le rire n'excitant pas seulement Roson. Bill proposa sur le champ une partie de suçon. La stagiaire n'osant dire non, c'est mes à quatre pattes, mais ça lui levait le cœur d'honorer son gros bat. Au beau milieu de l'action, elle a renvoyé son spaghette. Bill était beurré partout, des chaussures à la cravate. Mais ne pensez pas que le président était fâché, ce n'est qu'une stagiaire, laissons-lui le temps d'apprendre le métier. Bill torcha les dégâts avec un rapport de la chambre, sans se rendre compte qu'une boulette était entrée dans son membre. Et comme il avait toujours envie de faire la partouze, ne trouvant rien de mieux, il alla fourrer son épouse. Et le soir même, la petite boulette de spaghetti se ramassa dans le minou de la pauvre Hillary. Le lendemain, à Maison-Blanche, tous étaient surpris qu'Hillary dégage une si forte odeur de spaghetti. Les mouettes s'agglutinaient devant la fenêtre de son office, et tous les chiens galeux allaient lui sniffer le pubis. Hillary s'inquiétait de l'origine de cette odeur, et elle s'en alla en faire part au docteur. Le docteur, trouvant la boulette, lui dit: madame, ça, c'est à non point douter du renvoi de Monica. Madame partit en maudit et le docteur vendit la boulette à un restaurateur chinois qui savait mille recettes, à base de déchets d'hôpitaux même qu'il aurait un soir cuisiné un ragoût de pâte de Lucien Bouchard. Monica, ce soir-là, s'était fait livrer du chinois. Elle fut bien étonnée de trouver dans son plat une boulette qui ne lui était pas étrangère. Elle se rappelait même l'avoir envoyée hier. Catholique, elle comprit que Dieu lui envoyait le message de ne plus reculer devant le suçage. Depuis ce jour-là, Monica a pris de l'expérience, et pas juste dans les bureaux de la présidence. Devant les hommes influents, ses lèvres s'écartent. Claude Brochu me disait même l'avoir passé au bat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle bien avant l'automne, les expos déménageront à Washington. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle bien avant l'automne, les expos déménageront à Washington.